soir de semaine dans le centre de Toulouse. Dans ce bar, une cinquantaine de personnes discutent autour d'une bière, le téléphone à la main. Ce soir, le cours du Bitcoin est suivi de très près, c'est pour ça qu'ils sont là. Surtout des hommes plutôt geeks, des spéculateurs bien sûr, mais aussi des alternatifs qui ne se retrouvent plus dans le système bancaire. Il y a de plus en plus d'économistes qui disent qu'une grosse crise se prépare. Bon, après, ça, c'est hypothétique, hein, mais bon, dans l'année ou les deux ans à venir. Donc, voilà, je pense que c'est essentiel de se diversifier. Un jour, on va tous payer avec des coins et plus avec des euros et des dollars. Ça va finir un jour. Quand, je ne le sais pas. Pourtant, dès maintenant, certains affirment déjà en vivre. Je les ai revendus, je les ai transformés en euros que j'ai utilisés dans la vie de tous les jours pour me nourrir, pour me loger. Et pour offrir des cadeaux à ma famille pour Noël, quoi. Et là, ça fait depuis combien de temps que vous vivez comme ça? Là, ça fait 6 mois que je vis grâce aux crypto-monnaies. Et le risque? Il y a toujours un risque. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il faut accepter, quand on commence, de perdre. Alors, les néophytes comme nous, on décide de se lancer aussi. Tu vas recevoir des likes. Alors là, déjà, le prodige, c'est que quand même, ça nous a pris une trentaine de secondes pour se créer un compte Bitcoin qui permet de recevoir des transactions du monde entier. Qu'est-ce que le Bitcoin exactement? Une monnaie sans lien avec l'économie réelle qui n'existe que sur Internet. C'est une monnaie qu'on peut échanger partout dans le monde en suivant un protocole informatique. Donc c'est le sigle, c'est Bitcoin. Pour en acheter, il faut s'inscrire sur un site et payer avec sa carte de crédit. On obtient alors des bitcoins que l'on pourra dépenser dans les très rares magasins qui les acceptent, ou alors les échanger à nouveau, de préférence à la hausse. Tout se joue sur ces ordinateurs, un peu bricolés. Alors ce sont des ordinateurs comme celui-ci qui permettent de faire vivre toutes ces monnaies virtuelles. Là, on a beaucoup de cartes graphiques pour un seul ordinateur. Ces cartes graphiques ont des processeurs dédiés qui permettent de faire des calculs très puissant, très rapidement. Et des ordinateurs comme ça, bien sûr, on en met des dizaines, on constitue de vraies fermes d'ordinateurs. Le monde entier se prend de folie pour ces bitcoins. De nouveaux métiers émergent. Cette start-up s'est spécialisée dans le conseil en monnaie virtuelle. Il y a de plus en plus de demandes de la part de particuliers, comme d'investisseurs institutionnels, pour rentrer dans ce marché. Le prix du bitcoin n'est fixé uniquement que par l'offre des personnes qui sont prêtes à vendre et la demande des personnes qui sont prêtes à acheter à un prix donné. Un prix qui s'envole, 700% d'augmentation en 2017, cela fait rêver. Mais beaucoup d'experts n'y voient qu'une bulle financière. Le Bitcoin, aujourd'hui, c'est 250 milliards de dollars. Si la bulle éclate, ces investisseurs risquent de perdre leur mise.